Bon, j'ai discuté avec tout le monde, absolument personne n'a quoi que ce soit à me dire, tout du moins rien d'intéressant qui doit être montré à l'écran. Nous avons donc tout fait, on peut passer à la suite avec la quête principale. Nous avons donc le choix, nous devons soit intégrer les Templiers, soit intégrer les mages, pour fermer la brèche. Alors moi, mon choix initial, ça serait de prendre les mages, pour différentes raisons. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on choisit les... Je vais y arriver. Quand on choisit les Templiers. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et une fois qu'on a fini avec les Templiers, paf, je reviens en arrière et je choisis les mages. Bah tiens. Que vous a-t-on rapporté, Leliana ? Avez-vous de nouvelles informations ? Non. Rien. Améliorer la sécurité, sécuriser un passage au cœur des dorsales de givre. Attendez, je vais faire ça d'abord ? Oui. Ça peut être un des deux, n'importe lequel. Voyons un peu ça. Hop. Commençons. De l'influence. Les pactes hivernales. Rien du tout. Ok. Du coup, je reviens en arrière histoire de pas pouvoir pas avoir recommencé ça. Voilà. Alors, les mages ou les Templiers. Du coup, les Templiers, c'est parti, les champions de la Il justice. Il faut que les Templiers nous aident à refermer la brèche. L'ordre a été fondé pour combattre la magie. On doit d'abord convaincre le seigneur chercheur de les rappeler d'exil. Un chevalier vient de nous signaler qu'ils se réunissent au refuge de Terrinfal. Cet endroit est désert depuis des décennies. Pourquoi aller là-bas ? Avant toute chose, nous devons approcher le seigneur chercheur. Il saura peut-être nous répondre. Si on leur présente un plan pour refermer la brèche, il se pourrait que les Templiers s'allient avec nous. On doit d'abord montrer qu'on représente une solution intéressante. Si le seigneur chercheur veut le prestige du statut, l'Inquisition le contactera après s'être allié aux plus grandes maisons d'Orlaïs. Elles nous accompagneront à Terrinfal et exigeront que les Templiers nous aident à refermer la brèche. Vous pensez que ça a une chance de marcher ? Même le seigneur chercheur ne pourrait pas ignorer autant de nobles qui sonneraient à sa porte. C'est vrai. Surtout s'ils sont emmenés par la messagère d'Andraste. Si ça peut empêcher le ciel de se déchirer, je suis tout ouïe. La rumeur selon laquelle vous avez été sauvé de l'immatériel par Andraste a fait le tour des Templiers. Et nous avons fait en sorte d'encourager cette rumeur. Une messagère trop peu entourée pourrait aisément être écartée. Alors que cette même messagère accompagnée de nobles alliés serait vue d'un autre œil, de même que l'Inquisition. C'est peut-être pour ça qu'Andraste m'a sauvé, pour que je mène ces Templiers contre la brèche. C'est peut-être aussi pour convaincre le seigneur chercheur d'abandonner son obsession. Pardon, mais après son numéro à Val-Royau, je me fiche bien de ce que pense le seigneur chercheur. Nous n'avons pas besoin du seigneur chercheur. Nous avons besoin de ces Templiers, avec ou sans son approbation. La brèche n'attendra pas que nos différends soient résolus. Bonne nouvelle. Plusieurs maisons de nobles orlésiens vont demander aux Templiers de nous aider à refermer la brèche. Le seigneur Abernage se rapprochera de vous. N'acceptez rien qui vienne de lui, mais fiez-vous à ses commérages. J'espère qu'il sait y faire avec le seigneur chercheur. Les Templiers ne nous aideront pas sans son accord. La messagère d'Andraste. Seigneur Esmeral Abernage, c'est un honneur. Cela me rappelle la deuxième débâcle, lors de la reconquête de la Dalassie. Et Dame Vivienne, nous nous sommes rencontrés au bal de l'été dernier. Le duc nous a présenté... En effet, comment pourrais-je oublier un tel événement ? Le seigneur chercheur est prêt à entendre notre demande à propos de la brèche, grâce à notre alliance avec l'Inquisition.
Vous voulez dire quelques mots? 10 maisons orlésiennes sont derrière vous. Je me réjouis que les plus grands talents d'Orlaïs soutiennent l'Inquisition. Le premier de nombreux partenariats fructueux et influents, je l'espère. Quel bagout! Vous pourriez convaincre n'importe qui. À ce propos, accepteriez-vous de révéler comment vous avez réussi à attirer leur attention? Sinon, les rumeurs s'en chargeront pour vous. Que voulez-vous dire? Le seigneur chercheur demande à rencontrer l'Inquisition en personne. Fort surprenant, après les événements de Val-Royau. L'Inquisition demande simplement au seigneur chercheur de l'aider à refermer la brèche. Alors c'est tout vu. Laissez les diplomates faire leur travail, à supposer que vous leur fassiez confiance. Entre vous et moi, la chanterie n'a jamais su tirer profit de ses Templiers. Ils gagneraient à changer de direction. Nous y voilà, le refuge de Terrinfal. Le seigneur chercheur a abandonné la Flèche Blanche pour venir ici. On dirait qu'ils ont envoyé quelqu'un vous accueillir. Faites bonne impression. Vous êtes un peu trop tendu à mon goût. Ces seigneurs sont utiles, mais tout ça ne devrait pas être nécessaire. Le seigneur chercheur doit bien voir la véritable menace, alors à quoi il joue? Le seigneur chercheur a changé d'avis sur nous assez rapidement. Ça lui ressemble? Les aristos, ça joue les gentils quand il y a de l'argent en jeu. Un gros bonnet comme lui, en revanche, je sais pas ce que ça peut vouloir. Avez-vous vu le ciel, Serre Chevalier? Bien sûr, mais... Votre ordre n'a-t-il pas juré de détruire la magie hérétique? Oui, mais... Alors si les Templiers ne scellent pas cette brèche, nous serons contraints de prendre des mesures contre vous. Des mesures contre nous? L'impératrice d'Orlaïs écoute sa cour, très cher. Oh, par le Créateur... Alors, je vais rien ramasser, parce que bah, du coup, je vais forcément revenir en arrière, donc ça sert à rien de m'embêter à ramasser les bazars. Comtesse d'Auvergne. Comtesse, madame, est-ce que c'est vrai que la messagère d'Andraste va venir? Est-ce qu'elle est déjà ici? Oui, je suis ici, et je vous salue de la part de l'Inquisition. Pardonnez-moi, je n'avais pas réalisé qui vous étiez. On n'a pas l'habitude de voir des mages ici. Enfin, pas de mages contents de nous voir. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Si Andraste vous a choisi comme messagère, je suis certaine qu'elle ne s'est pas trompée. Je vous présente le chevalier templier Serre d'Elrin Barriss, fils cadet du ban Gévrin Barriss de Ferelden. Serre Barriss, j'ai l'honneur de vous présenter le seigneur Esmeral Abernach. C'est moi qui ai prévenu Kellen. Il m'a dit que l'Inquisition voulait refermer la brèche qui fend le voile. J'ignorais que vous viendriez en si noble compagnie. Barriss, famille au patrimoine modéré. Et le cadet, qui plus est. Cette promesse de statut a attiré l'attention du seigneur chercheur. C'est incompréhensible. Le ciel est embrasé par la magie, et il a ignoré tous les appels à l'action jusqu'à l'arrivée de vos amis. C'est comme cela qu'un chercheur doit mener les Templiers? En cas d'urgence. Et si c'est le seul moyen? Mais son but devrait être de rétablir l'ordre. Il a pris le commandement, de façon permanente. S'il pense être investi d'une sainte mission... C'est ce que prétend le seigneur chercheur, et nos commandants le suivent. Les actions du seigneur chercheur sont incompréhensibles. Il a promis de restaurer l'honneur de notre ordre, mais il nous envoie ici pour attendre? Les Templiers se doivent de faire leur devoir, même lorsqu'on les en empêche. Eh ben, il était temps de l'avouer. Si vous arrivez à convaincre le seigneur chercheur, tous les chevaliers en état de tenir une arme aideront l'Inquisition à refermer la brèche. C'est pour ça que l'Inquisition est là, Serre Barriss. J'aimerais vous en dire davantage sur vos chances, mais les officiers sont peu bavards en ce moment. On nous a beaucoup demandé après cette honteuse démonstration à Val-Royau. La vérité ne cesse de changer. Alors ne tardez pas, Barriss. Il reste encore beaucoup à accomplir. Le seigneur chercheur a une requête avant que vous le rencontriez.
Il s'agit des étendards, un rituel d'honneur axé sur le peuple, le créateur et l'ordre. Le seigneur chercheur demande à ce que vous accomplissiez le rituel, pour montrer dans quel ordre vous honorez ces entités. Et si j'échoue ? Il n'y a pas de bonne réponse. Le rituel révèle simplement qui vous êtes et ce que vous respectez. Si c'est ce que le seigneur chercheur demande à l'Inquisition, nous serons honorés de l'accomplir. Pas à l'Inquisition. Le seigneur chercheur a tout changé pour vous rencontrer. Pas l'Inquisition. Vous. Pourquoi ? Je l'ignore. Il semble très intéressé par votre personne depuis l'arrivée de votre horde de nobles. Le seigneur chercheur nous fait tourner en bourrique. Hors de question. Nous avons assez attendu. Nous accomplirons le rituel comme le demande le seigneur chercheur. Quand vous aurez terminé, je vous conduirai auprès de lui. Lorsque vous en aurez terminé avec les étendards, le seigneur chercheur vous recevra, messagère. Allez étendre vos propres draps, chevalier. Nous avons des affaires à régler. Qu'est-ce que le seigneur chercheur veut voir, Templier ? Le choix de la messagère, Abernache, et non pas le vôtre. Grand bien, Ulfa. Je croyais qu'à l'Inquisition, il n'y avait que des hérétiques et des blasphémateurs. Ah merde. Les Templiers, de fiers agents, de bras armés de la foi. On devrait partir chasser les mages qui ont ouvert le ciel au lieu de regarder ça. Traditionnellement, celui qui a participé au rite explique son choix à l'Assemblée. Ce sont mes choix, et ils ne regardent que moi. Je ne crois pas, non. Si nous forçons ces ignorants à se soumettre, je compte bien connaître le fin mot de l'histoire. Je suppose que ce sont vos propres intentions. J'ai l'intention de traiter avec les gens importants. Vous, là, vous nous faites perdre notre temps. À l'Inquisition et à moi. C'est intolérable. Le seigneur chercheur vous attend tous les deux. Suivez-moi. De la brume. Toujours de la brume. Et il fait froid avec ça. C'est vous qui aviez dit que si l'on suivait le seigneur. C'est nécessaire, enfin. On ne dirige pas un champ de bataille avec une commission. Sans la foi, vous n'avez aucun chevalier. Vous êtes... Chevalier sous-capitaine ? Vous attendiez le seigneur chercheur ? Il m'a envoyé mourir pour vous. Chevalier sous-capitaine, seigneur Esmeralda Bernache, c'est un honneur. Cela me rappelle la deuxième débâcle, lors de la reconquête de la Dalassie. Je suppose que votre rang vous élève au-dessus de telles trivialités. Quel dommage que tout le monde ne comprenne pas cela. Alors c'est ça, la formidable alliance que propose l'Inquisition. Seigneur Abernache, il serait peut-être sage de vous éloigner du chevalier sous-capitaine. Malgré votre éloquence, je ne vous laisserai pas prétendre au chevalier et à son capitaine. Chevalier sous-capitaine Denham. Le seigneur chercheur avait un plan que la messagère a pour ainsi dire contrarié. Avec ses projets lumineux. Il a semé les graines de la contestation. Chevalier sous-capitaine, vous devez m'expliquer ce qui se passe. Vous étiez tous censés changer. Maintenant, nous devons purger les chevaliers trop curieux. Pour une fois, je suis d'accord avec... L'ancien arrive. Personne ne quittera Terrinfall sans être teinté de rouge. Nom du Créateur! C'est de votre faute, hein! Est-ce que le chevalier son capitaine est vivant? À peine. Si vous utilisez un élixir de guérison, il survivra peut-être. Mais le mérite-t-il vraiment? Nous allons le guérir. Le chevalier sous-capitaine sera jugé lorsque nous serons remontés jusqu'à son maître. C'est à peine s'il mérite notre indulgence. Les clés du chevalier sous-capitaine. Je demanderai bien au seigneur chercheur de nous en dire plus au sujet de cet ancien. Ils sont monstrueux. Nous ne l'avions pas remarqué. C'est horrible.
quoi ce truc? Des Templiers! Quel merdier! N'est-ce pas? Putain, il est par là. Ça aurait ouvert des salles. Préparez-les! Guidez-les jusqu'à moi! C'était le seigneur chercheur? Hein? J'entends des bruits de combat, moi! Je vous connaîtrai! Niveau 11. Là, en plus, les trucs qui sont niveau 7. Alors, en plus, avec l'équipement. Moi, votre vraie nature. Bon combat. Je ne sais pas ce qui se passe. Les officiers sont devenus. Vous serez bien plus. Chère messagère d'Andraste, il est temps que nous fassions plus ample connaissance. Qu'avez... Ah, désolé. J'ai pas mis le mode marche. J'ai juste obligé de marcher. Colin et Joséphine. Qu'est-ce qui est ici? Avec cette forme, je vais réussir à vous connaître. Tout vous trahit. Alors, regardez ça. Tu essaies de me tenter ou de me copier ? Tu essaies de me copier ? Être vous sera bien plus intéressant qu'être le seigneur chercheur. Savez-vous ce que l'Inquisition peut devenir? Vous verrez. Quand j'aurai terminé, l'ancien vous tuera et s'élèvera. Alors, je deviendrai vous. Cet ancien croit pouvoir s'élever au rang de Dieu. C'est la plus vieille prétention des mortels. Il sait de quoi il parle. La gloire approche, et l'ancien veut que vous serviez comme tout le monde, en mourant comme il se doit. Alors continue à parler. Je ne suis pas votre jouet. Je suis en vie. Je finirai par vous connaître. Dites-moi, messagère, dans votre tête. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous ressentez. Ah.
Vous avez le culot de nier votre crime ? Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Nos ennemis se sont rendus sans condition. L'Inquisition est aussi puissante que n'importe quel royaume de Tedas. Nous atteindrons bientôt le but que je m'étais fixé. Mais nous irons plus loin. C'est mon corps. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce de la peur que je perçois ? Intéressant. Mais il crevait avec ses conneries. Étiez-vous sincère lorsque vous avez choisi le drapeau du peuple comme étendard ? Car lorsque je serai vous, le peuple n'oubliera jamais vos actes. Qui essaierait de nous résister alors que l'Inquisition dirige les nations ? Il faudra manquer de bon sens. Attends, je crois que je peux... C'est... Ouais, voilà, ouais. Lorsque la chanterie est tombée... La messagère nous a tous sauvés. Notre armée les pourrait rassurer un voyant. Devant l'Inquisition, ça arrive à la chute. Alors vous êtes bien gentil, mais il faut me laisser passer maintenant. Wow, ah merde. J'ai réussi à passer. Imaginez comme mon Inquisition sera couverte de gloire lorsque vous mourrez des mains de l'Ancien. Tu es... Attendez. Envie vous fait du mal. Des miroirs sur des miroirs. Sur la mémoire. Une figure ne fait pas mine. Je veux aider. Vous, pas envie. Pourquoi continuer, démon ? C'est censé être qui, ça ? Moi, je suis Cole. Toujours Cole. On est en vous. Enfin, moi, vous êtes toujours en vous. C'est facile d'entendre, mais plus dur de faire partie de ce que vous entendez. Moi, je suis là, à l'écoute, à l'aide. Enfin, j'espère. Envie vous a fait du mal, vous fait du mal. J'ai voulu aider. J'étais là, dans le cauchemar. Ce n'est pas comme ça d'habitude. Ce que vous dites n'a aucun sens. J'observe. Tous les Templiers savaient quand vous êtes arrivés. Ils étaient impressionnés, mais pas comme le Seigneur Chercheur. Le Seigneur Chercheur est un démon de l'envie. Il veut être moi. Oui. Il a corrompu les commandants. A forcé leur furie, leur feu. Ils sont rouges en dedans. Quoi qu'il en soit, vous êtes paralysés. Envie veut votre visage. Je l'ai entendu. J'ai tendu la main. Et je suis arrivé ici. Donc vous êtes un espion fantôme qui entre accidentellement dans la tête des gens ? Vous êtes un esprit, en gros. Si cette idée vous dérange, je peux vous faire oublier. Ça aide ? Non. Vous avez besoin de toute votre tête pour vous battre. Peut-être plus tard. Comment mon corps peut-il être paralysé dans le monde éveillé ? Les pensées sont vives. On est là. Dehors, le couperet est en pleine chute. Suspendu en l'air comme un coucher de soleil. Si le temps ne s'écoule pas, ça veut dire que je ne risque rien ? Non. Il serait bon que vous sortiez. Très bien, Cole. Si vous voulez vraiment m'aider, dites-moi comment sortir. C'est votre tête. J'espérais que vous sauriez comment l'arrêter. Eh bien non. Tout ça, c'est envie. Les gens, les lieux, le pouvoir. Si vous résistez, envie se fatigue. Il faut de la force pour continuer. Être une personne, c'est dur. Être plusieurs. De plus en plus. Trop. Si envie se désagrège, vous survivez. Donc, en continuant à avancer dans ma tête,
On épuise le démon de l'envie et on le soumet. Peut-être. J'espère que ça vous aidera. C'est mieux que de rester là à attendre de perdre la tête. Par ici. Bon, j'ai plus de vie, moi. Les idées sont bruyantes par ici. Rendez-les encore plus bruyantes. Pensez à de l'eau. Pensez à de l'eau? Oui. Cette chose ne peut pas vous aider. J'en verrai plus tôt ou tard.